Salut les enfants! Alors aujourd'hui on cuisine poêle roquette. Pas compliqué, tu vois. Tu découpes une petite courge, tu mets un petit peu d'eau dans le fond de ta gamelle. Tu mets tes courges, tu refermes. Et là on va prendre 2-3 plants de sauvage. La consoude, toujours à proximité. Prends 2-3 feuilles de consoude. Tu vérifies qu'il n'y ait pas de cochonnerie dessus. C'est embêtant de manger une fourmi ou une limace. Hop. Tu la coupes en petits morceaux. Voilà, un petit peu. On va chercher du lierre terrestre. Vas-y, viens, 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 viens. Voilà, le lierre terrestre. On prend une tige. On enlève les petites herbes. Voilà, le lierre terrestre, on le reconnaît comme ça. Là. On le reconnaît avec ses petites feuilles. Tu vois, ça fait un peu comme des cœurs. Elles sont bien, bien avec des bonnes marques dessus. Et légèrement ondulées, tu vois, sur les bords. Voilà, vous ne confondez pas non plus. Assurez-vous toujours avant de manger une plante sauvage que c'est la bonne. Tu mets ça dedans. Tu laisses mijoter. Alors après, tu vois, les petits oignons rouges. Hop. Du céleri branche. Pour donner un peu de goût. Spatule maison, tu touilles un peu, ça commence déjà à sentir bon, tu vois, sans lierre terrestre. C'est bon? Ah, c'est gourde, tu dis d'habitude, ah, c'est gourde, tu dis, je trompe fille. Alors du coup, t'es toujours dessus là, hein, t'as pas bouffé, hein, c'est bon. Hein. Alors du coup, des petits morceaux de pommes, histoire de donner un peu de sucre là-dedans, tu vois. Hop. Allez, fous-en les trois quarts à côté, bravo, hein. Ça c'est le partage avec la nature. C'est parti, go. Et voilà, et après, hop, une fois que c'est bien bouillonné, une petite assiette en bois fabriquée maison. Hop. Bon appétit les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Thank you.